c'était quand même très fort pour moi de choisir de commencer avec Jean Sebastian Bach pour un premier disque solo. Parce qu'à la fois, c'est quelque chose qui me rend très heureux et qui est un peu audacieux aussi, parce que Bach, on se dit tellement, c'est un peu un dieu, c'est compliqué de jouer de la musique d'un dieu. Et du coup, mais en même temps, moi, par rapport à sa musique, mon rapport que je vais avoir avec sa musique, c'est de me dire que c'est un dieu, mais qui a une telle humilité qu'il accepte en fait, en un sens, qu'on joue sa musique. Et c'est ça qui est vraiment beau, c'est ça qui est vraiment fort, je trouve. Et donc voilà, donc jouer la musique de Jean-Sébastien Bach pour mon premier album, c'était vraiment un bonheur. Au-delà du programme du disque qui tourne autour de l'imaginaire et de l'imagination, je trouve que le principe d'enregistrement doit faire appel à ce concept d'imagination. Dans la mesure où c'est très compliqué, enfin je trouve personnellement, quand on enregistre, on ne sait pas vraiment pour qui on enregistre. On est tout seul dans le lieu de l'enregistrement, il n'y a pas de public et on ne joue pas pour des micros, on ne joue pas pour du matériel en fait, en soi. Et puis, voilà, personnellement, quand je fais un enregistrement, je ne joue pas non plus pour moi, parce que sinon, autant rester chez moi. Donc en fait, on joue pour quelque chose en puissance, enfin un public en puissance qui écoutera le disque. Quand on est en concert, par exemple, on a un répondant direct qui est le public. Le transfert d'émotion, de partage, il est là, il est palpable, tandis qu'en enregistrement, non. Et du coup, je me demande si... Alors peut-être que je me trompe, mais je me demande si, en fait, à ce moment-là, il ne faut pas justement faire appel à l'imagination, à l'imaginaire et le fait de pouvoir conceptualiser un public ou pouvoir l'inventer. Et c'est vrai que contrairement, on va dire, aux musiques plus actuelles, où on va travailler, l'enregistrement se travaille en studio, et en fait une grande partie du travail va être dans le mixage. En revanche, pour jouer de la musique entre guillemets classique, baroque, en l'occurrence, nous, on n'avait pas besoin de faire un travail de son, vraiment le post-enregistrement. On a besoin de placer les micros au meilleur endroit pour essayer de capter la réalité. Et du coup, une fois que en fait, le travail du son, le mixage se fait avant, se fait vraiment pendant les balances de l'enregistrement. Et une fois qu'on a trouvé, on n'y touche plus, et puis c'est parti. C'est vrai que j'ai cette envie de défendre le clavecin, et on m'a déjà dit, mais oui, mais il est assez défendu, etc. Évidemment, ça fait depuis les années 60 que le clavecin est redécouvert, et que du coup, il y a tous ces pionniers qui ont participé à la renaissance de l'instrument, même les facteurs de clavecin aussi, les constructeurs de clavecin, les interprètes, voilà, tout ce mouvement de musique baroque. C'est un combat, certes, ça peut avoir l'air d'un combat, de vouloir vraiment le remettre au devant de la scène, etc. Mais sauf que c'est pas vraiment un combat, parce qu'il n'y a aucune violence, il n'y a aucune virulence derrière tout ça. Voilà, je pense que c'est plus de l'amour, du partage, parce que je trouve que... un amour, il est toujours plus beau quand il est partagé. Et c'est un amour qui est, comme tout amour, assez irrationnel, dans la mesure où moi, quand j'ai découvert le clavecin, c'est parce que j'en ai entendu à la radio un jour où j'avais, voilà, à l'âge de 5 ans. Et ce qui est intéressant, voilà, après coup, en analysant un peu ce coup de foudre, c'est de me rendre compte que c'était vraiment le son de l'instrument qui m'a séduit. Donc je suis tombé amoureux, puisque, en fait, un clavecin, j'étais un peu jeune pour savoir véritablement ce que c'était. Il n'y en avait pas en face de moi. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait, on va dire, esthétiquement, enfin, physiquement parlant. Et donc, c'est vraiment un son, je ne savais même pas quel compositeur était joué, qui jouait. Mais je suis tombé, du coup, nez à nez
avec le son, avec un peu la pureté un peu magique des cordes pincées de l'instrument. Et voilà, et donc comme toute personne qu'on rencontre et dont on tombe amoureux, on a envie de la présenter, c'est un peu la même chose. Mais 20 ans plus tard. J'ai décidé de faire une œuvre qui s'imprimait extrêmement bien dans le programme. Une œuvre typiquement pour le clavecin, donc le concerto italien de Jean Sebastian Bach, qui est à la fois une œuvre qui représente la musique pour clavecin tellement elle est bien écrite pour cet instrument, mais qui a cette particularité de s'appeler concerto dans le goût italien. Et dans ce titre, il y a le mot concerto. Donc, le concerto est une forme musicale qui fait appel forcément à l'orchestre. Sauf que c'est une œuvre qui n'est pas inspirée d'une œuvre concertante à la base. C'est vraiment une œuvre pour clavecin. Donc, encore une fois, on est à cette croisée entre 1. L'instrument, 2. D'autres instruments, 3. L'imagination, et 4. La magie, dans la mesure où, quand on ferme les yeux, on peut entendre l'orchestre, et quand on les ouvre, on n'a qu'un clavecin en face de nous. Techniquement parlant, c'est une des œuvres de Jean-Sébastien Bach où il va utiliser le plus de variations de registres du clavecin. Donc sur les clavecins allemands, on va avoir 2 claviers avec des timbres différents, et il indique sur la partition des fortés ou piano, qui sont des termes de dynamique, et qui en fait au clavecin demande un changement de clavier. Donc en fait, c'est une œuvre qui va utiliser le plus la registration d'instruments. Donc encore une fois, il explore à travers ce concerto dans le goût italien le plus possible de ressources que possède l'instrument, qu'est le clavecin. Donc je trouve que ce concerto, cette pièce a vraiment sa place justement dans ce programme autour de l'imaginaire. La transcription de Brahms qui à la base est pour piano, moi j'ai décidé de la faire au clavecin sans en changer une seule note. Alors il y a plein de transcriptions de cette fameuse chaconne, très connue, très enregistrée même au violon, hein, mais il y a eu également beaucoup de transcriptions au 19e, et voilà, celle-ci de Brahms, assez particulière dans la mesure où il l'a écrite pour la main gauche seule, uniquement pour retrouver la même sensation de difficulté technique que pouvait retrouver un violoniste quand il jouait la chaconne. Alors, moi au clavecin, j'ai essayé de la jouer main gauche seule, mais on perd beaucoup de choses, tout simplement parce que déjà le clavecin n'a pas de pédale de résonance comme au piano, et du coup harmoniquement on perdait beaucoup de la forme musicale de l'œuvre. J'ai dû la jouer à 2 mains, mais comment dire, la difficulté de cette pièce, c'est qu'elle est tellement profonde et riche, intense, que au-delà de toute difficulté technique, on va être dans une difficulté musicale, et même j'ai pas envie de mettre le mot difficulté là-dessus, c'est juste quelque chose, voilà, ça va être une recherche plus profonde. J'ai voulu terminer ce disque avec une œuvre dans la même veine de ce qui précédait, puisqu'il s'agit d'une transcription d'un mouvement de la sonate en Do majeur, cette fois-ci de Jean-Sébastien Bach, cette fois-ci en Sol majeur, et puis on est dans un registre du clavecin qui va demander à l'interprète d'aller chercher des notes extrêmement graves, des intervalles à la main gauche, c'est-à-dire des distances entre les notes extrêmement larges, et tout ça, moi, ça me fait penser à l'orgue. À l'orgue, cet instrument majeur pour la vie de Jean-Sébastien Bach, et également en lien extrême avec sa spiritualité. Donc je trouvais ça important de faire un petit clin d'œil à cette partie de la vie de Jean-Sébastien Bach qui est fondamentale, et encore une fois, pour montrer aussi la proximité entre le clavecin et l'orgue, car nombre d'œuvres de Bach qui sont écrites pour le clavier, mais qui peuvent être aussi bien jouées à l'orgue qu'au clavecin. Donc, encore une fois, ça, en partant de ce doute d'une œuvre qui à la fois pourrait être pour luth ou pour clavecin, on termine avec ce doute d'une œuvre qui pourrait également sonner à l'orgue,
comme une bonne partie des œuvres pour clavier de Bach. Et puis c'est aussi une œuvre extrêmement majestueuse, extrêmement profonde, et qui se termine, un peu en point d'interrogation. Et cette question qui finit le disque, je trouve vraiment c'est une ouverture et c'est un appel, un questionnement au silence dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, je trouvais ça très important de pouvoir, d'une manière un peu mystique, et surtout musicale, de terminer en suspens, de terminer avec cette ouverture qui invite au silence.